Shake, shake, shake.
on his own shoulder. What we want to live for, the kingdom of this world. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous nous préparons pour les bonnes choses ce soir. Nous bénissons Dieu parce que la parole de Dieu est une clé pour ouvrir les portes de notre vie, les portes de nos ministères, les portes de nos milieux professionnels, etc., etc. La clé a une importance capitale dans la vie d'un être humain, vous vous en rendez compte. Près de 90% des gens ici ont moins une clé, du moins si vous êtes majeur. Et aujourd'hui, ce soir, Dieu va encore mettre une clé sur nos mains afin de nous permettre d'ouvrir des portes et d'en fermer quelques-unes pour la gloire de celui que nous appelons Dieu, pour la gloire de Jésus. Alléluia! Alléluia! Nous avons le bishop qui va nous apporter le message ce soir. Le bishop est responsable de l'église Nouvelle-Jérusalem. Il est responsable de plusieurs églises. La Nouvelle-Jérusalem est une église de plusieurs milliers de personnes. Dieu a béni le ministère du bishop et nous honorons le Seigneur, nous le bénissons comme nous avons dit hier. Notre nation, notre pays, le Congo, ex-Zaïre, doit être très, très fier d'avoir des hommes de Dieu de son niveau. Alléluia. Et c'est pour nous un grand privilège, un honneur de le recevoir. C'est un père pour moi, c'est un mentor, c'est une référence, c'est un poteau indicateur. Comme je l'ai dit, lorsque j'ai des cafards sur les cheveux, c'est à Bruxelles que je cours pour chercher la consolation auprès de lui. Amen. Amen. L'honneur, la révérence est due aux hommes élevés par Dieu. Je disais que mon vocabulaire est limité pour m'exprimer réellement devant vous. Mais c'est avec un profond respect que nous l'accueillons. Nous ne sommes pas dignes, mais nous bénissons Dieu de ce qu'il a accepté notre invitation. Nous nous sentons vraiment petits et nous bénissons Dieu pour cela. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu ce soir pour cela? Malgré plusieurs responsabilités, il a souhaiter venir nous aider pour notre petit travail dans cette ville, pour nous encourager, nous fortifier, nous conseiller. Et moi, je suis personnellement très ému et très touché par cela.
Le bishop a un ministère très envié en Belgique. Je disais, si vous faites un tour à Bruxelles, allez visiter l'église. Les gens disent que la Belgique est un terrain aride. Mais Dieu a béni son ministère. Du terrain aride, il en est sorti une terre arrosée. Vous pouvez acclamer en ajoutant les Amen. C'est pour dire, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, Dieu est capable de changer une forêt à un terrain habitable. Et c'est un signe que Dieu marche avec son serviteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, je vous inviterai à bien vouloir vous mettre debout avec respect pour recevoir l'homme de Dieu, le bishop Martin Mutshebele. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme ce soir. Acclame Jésus et pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie devant Dieu ce soir. Pousse les cris de joie ce soir devant le Seigneur. Il mérite la gloire, la louange, l'honneur. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Je vais vous entendre acclamer ce soir très fort. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Dites à votre voisin, ce soir est une soirée de transfert. Dites au moins à deux personnes. Alléluia. Là au fond, alléluia. On parle de transfert pour un bénéfice que nous recevons. Parce que tu apprends qu'on a transféré de l'argent dans ton compte, cela veut dire que tu reçois en plus de l'argent pour toi. Et Dieu a déjà préparé des bordereaux de transfert. Et ce soir, tu recevras ton transfert. La puissance et l'onction du Saint-Esprit va opérer de sorte que votre compte de la vie déficitaire par rapport aux choses de Dieu et aux promesses de Dieu soit aujourd'hui alimenté par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de lire ensemble un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître aux Galates, chapitre 4, encore une fois, je voudrais que vous puissiez me suivre avec attention. Généralement, j'aime expliquer les choses. Parce que la Bible nous enseigne que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et notre rôle, c'est de vous renseigner afin que vous connaîtrez la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est pour cette raison, parfois, je parle d'une façon où j'explique les choses afin de nous amener à bien saisir et comprendre. Et alors, quand notre intelligence est ouverte, elle est prête à entrer dans l'héritage. Galates 4, verset 1. Jusqu'au verset 7. Nous lisons. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. En 1960, vous vous en doutez, j'étais suffisamment jeune. Mais je vivais dans un village au Congo. Quand on parle d'un village en Afrique, c'est vraiment un village. Pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, etc. Et puis un jour, le chef de notre chefferie est décédé. Je me rappelle être parti assister, voir le deuil, parce qu'il était de mon clan. Et le jour de la fin du deuil, il y avait une cérémonie. C'est la première fois que je participais, que je voyais plutôt, une cérémonie d'investiture d'un chef. Et j'ai trouvé quelqu'un assis sur le fauteuil du chef. C'était un copain à moi. Il avait mon âge. Et si vous voulez tout savoir, il avait environ 9 ans à cette époque-là, vers 9-10 ans. Alors, j'étais choqué de trouver que cet enfant de mon âge, mon copain avec lequel nous sommes amusés dans le sable, dans l'eau, on se pourchassait dans la forêt, on grimpait sur les mangues. C'est lui qui était le grand chef. Puis la cérémonie est terminée. Et puis quelques temps après, je l'ai revu revenir à notre compagnie pour continuer à faire ce que nous avions toujours fait avec lui. Monter sur les mangues, aller chasser, n'est-ce pas, des petites bêtes que je ne cite pas, pour ne pas vous scandaliser. Vous voulez que je les cite? Eh bien, je vais les citer. Je ne sais pas si vous appelez ça souris ou rat. Il est revenu à notre vie. Quand il avait besoin de savon, il allait voir les grandes personnes, il pleurait comme nous. Et vous savez que chez nous, au village, il y a une manière assez spéciale en mangeant. On amène le foufou, puisque c'est ce que nous mangeons tous les jours. On met le foufou sur la table ou par terre, ça dépend de, n'est-ce pas, la richesse de la famille. Et alors, on prend l'assiette de viande, on découpe et on donne un morceau de viande à chaque personne dans sa main. Ça veut dire qu'on nous a appris à gérer depuis que nous sommes des enfants. Donc chacun devait gérer son morceau de viande jusqu'à la fin du repas.
Mais mon copain, consacré, intronisé chef, vous pensez que lui, on lui donnait la bête entière? Non. On lui donnait aussi dans la main un morceau de viande comme nous. Et puis après le temps, nous avons oublié qu'il était chef. Et puis c'est tout. Puis on s'est séparés. Celui qui allait représenter la chefferie dans des grandes réunions, c'est quelqu'un d'autre. C'est un adulte qui connaissait les proverbes, qui connaissait la mentalité, qui connaissait la pensée. Et puis en 1982, j'étais quelque part, on me dit, le chef de ton village te cherche. Dans mon esprit, c'était le vieux que j'avais connu. Et puis j'arrive, c'était mon copain. Il a grandi, il a mon âge, bien sûr. Il est chef, bien sûr, il est villageois. Ça ne fait rien. Je lui ai posé des questions. Et j'ai vu qu'il était gardé par les soldats. Que pour aller le voir, ce n'était pas facile. J'ai vu que son habillement avait changé. Il portait sur sa tête, ou je ne sais pas où, là, une espèce de peau. Et puis j'ai vu que quand je parlais avec lui, il n'était pas si ouvert. Enfin, bref, il était maintenant le vrai chef. Paul, s'adressant aux Galates, et bien entendu à vous aussi, ma sœur, et vous, mon frère, nous donner le même exemple que lorsque il y a un héritage à donner, lorsqu'il y a un transfert à faire, les enfants ne reçoivent rien. Tout au moins, ils ont cela potentiellement, mais ils n'en jouissent pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer ces choses. Il veut dire, et c'est ça qui est frappant, au verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et un esclave ? Rien du tout. Parce qu'il n'a rien de ce qu'il a reçu comme héritage. Paul voudrait dire que bon nombre de chrétiens sont des vrais héritiers, mais pourtant, à cause de leur état d'enfance spirituelle, eh bien, ce sont des esclaves. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Qu'est-ce qu'un enfant spirituel ? Et qu'est-ce qu'un adulte ? Spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? Question à deux sous, parce que chaque parent sait ce que c'est qu'un enfant. N'est-ce pas, mes sœurs? Vous qui avez des enfants. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Un, on doit s'occuper de lui à 100%. Il y a des enfants qui ne savent même pas s'habiller. Il ne choisit pas la chemise qu'il doit mettre. C'est les parents qui font tout. Il y en a qui ne savent pas manger. On doit lui donner à la cuillère, au biberon, etc. Un enfant, il ne vaille pas. Il dépend totalement de ses parents. Un enfant, il joue dans la boue et dans le sable. Un enfant, tout ce qu'il sait faire comme réaction, c'est pleurer. Parce qu'il n'a pas la force de réagir. Il pleure. Quand l'enfant pleure, on sait qu'il a besoin, on court vite pour s'occuper de lui. Un enfant, bien entendu,
il ne peut pas se marier, il ne peut pas fonder un foyer, il ne peut pas habiter dans sa maison, il ne peut pas conduire une voiture, il ne peut pas voter, il ne peut pas faire des tas de choses. Dans l'Église, parmi les enfants de Dieu, en voyant de près les critères qui définissent un enfant, beaucoup de gens, en cravate, beaucoup de dames, dans de belles blouses, sont encore des enfants. Dites amen. Des enfants parce que, spirituellement, qu'est-ce qu'ils savent faire? Rien du tout. Spirituellement, est-ce qu'ils peuvent fonder une famille spirituellement? Non. Qu'est-ce que ces chrétiens peuvent faire? Ils ne font rien dans l'Église. Et même s'ils doivent travailler, je suis père de 6 enfants. Je les ai vus tous grandir. Je veux dire, vraiment sous mes yeux. Quand un enfant, la maman l'envoie vers la vaisselle, il faut voir comment. Bah, parfois, même à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et même à 24 ans. Vous savez comment elle réagit? Oh, elle travaille en rouspectant combien de chrétiens pour faire les choses élémentaires dans l'Église. Ils sont là, ils crient, ils pleurent, etc. Et surtout, certains, même un simple bonjour du pasteur, le pasteur ne l'a pas vu. Il parle, qu'est-ce que le pasteur a contre moi? Mais aujourd'hui, il est froid parfois. J'entends des gens qui me disent comme ça, ils me téléphonent, pasteur. Est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Je dis, à ma connaissance, rien. Non, ces jours-ci, tu es froid. Ah bon? Je n'y pense même pas. C'est tout simplement l'état de l'enfance. Dans cette église, on ne s'occupe pas bien de toi. Viens dans l'église où on va bien s'occuper de toi. Tu y es quoi? Réponds-moi. Tu cherches là où on va bien te donner ton biberon. Et ce qui est bizarre, parfois on a déjà 10 ans de conversion. Je me rappelle un jour, une dame est venue, c'était en 1987. J'étais encore au début de mon ministère en Belgique. Et elle se plaignait d'un frère qui était diacre. Ouais, ce frère-là, ouais, il n'a pas fait ceci, ouais, il ne m'a pas visité, ouais, il n'a pas fait cela. Alors, le Saint-Esprit me demande d'être calme et de l'écouter. Elle finit. Puis l'Esprit me dit, pose-lui une question, depuis combien de temps il est converti? Je dis, ma sœur, excuse-moi, je sais que ce que le frère a fait, c'est grave. Je réalise qu'il ne devait pas faire cela. Mais à propos, tu es converti depuis combien d'années? Elle m'a dit 15 ans. Alors je dis, ce frère-là, nous étions en 1987. Je lui dis, il est converti en 1985. Est-ce que vous suivez? Ça fait combien d'années? Et elle a fait combien d'années? Est-ce que vous réalisez cela? C'est inhumain! Voilà cette femme de 15 ans qui devait être la mère spirituelle de ce frère, mais qui est retardée mentalement, spirituellement. Elle veut le service du frère de 2 ans de la foi et vient se plaindre chez moi que ce frère ne l'a pas visité, n'a pas prié pour lui. Elle est venue lui parler de ses problèmes. Il n'a pas fait attention, etc., etc. Et l'Église, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, est remplie de tas de ces gens-là. Et c'est pour cette raison, leur héritage, ils ne la vivent pas encore. Parce que tant qu'on est un enfant, on est un esclave.
Ici en Europe, il y a un mouvement bizarre. Je me suis converti en Afrique. En 1970, j'étais étudiant à l'université de Dakar, au Sénégal. Nous n'étions que 15 chrétiens quand je me suis converti. Notre église, qui était la plus grande église de la ville de Dakar, protestante tout au moins, n'avait que 120 membres. Je n'ai pas entendu. Il y avait d'autres églises qui naissaient. Je n'ai pas entendu, pas une seule fois, qu'un de nos chrétiens a quitté chez nous pour aller là où il va être bien nourri. Parce que dans une telle situation de survie, chacun se bat. Chacun travaille. Je me rappelle, après 2 ans, j'avais 22 ans, je suis passé diacre. Comment je pouvais passer diacre? Parce qu'après 2 ans, j'étais suffisamment mûr. Je pouvais prier pour les gens, je pouvais conseiller. Et après cette année-là, je suis passé président des groupes bibliques universitaires. J'ai commencé à conseiller les étudiants, à prier pour eux, à les orienter. Et j'ai passé comme président pendant 10 ans de tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas? J'ai passé 10 ans d'études universitaires, dont 4 à tourner un petit peu en rond. Alléluia! Est-ce que tout le monde me suit? Je veux que nous comprenions le principe. Un enfant n'hérite rien. Un enfant n'est rien d'un esclave. Il n'est pas différent plutôt d'un esclave. Donc spirituellement, je disais, je n'ai jamais appris cela. Je n'ai jamais vu cela. J'ai vécu au Congo. Je n'ai pas vu ce mouvement migratoire des chrétiens. Il vient goûter à cette sauce dans cette église. 2 semaines après, il va goûter dans l'autre sauce, dans l'autre église. 1 mois après, vous apprenez qu'il est maintenant là-bas. Et puis après un moment, vous le trouvez, il est entre 2 églises. Il y a des gens qui nous disent ça. Ils disent, non, non, moi je suis là. Le matin, je vais là-bas. L'après-midi, je vais ici, etc. Il ne sait pas exactement se définir. Et puis vient un moment où il commence à être un chrétien interville. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il est à Lille, comme je disais hier, demain, il est à Tourcoing, il va à Paris, il est comme ça. Il va, il revient, il va, il revient, il va, il revient. Mais ce sont des enfants. Parce que quel jour tu vas jouer un rôle pour le Seigneur? Mais ce n'est pas en te baladant d'église à église que tu vas recevoir la bénédiction. Alléluia! La bénédiction se reçoit par la maturité. Dites la maturité. Je répète encore, ta bénédiction se reçoit par la maturité. Et tu n'auras la maturité que quand tu restes quelque part où tu es nourri et tu es nourri et on prend soin de toi jusqu'à ce que tu deviennes adulte et toi-même aussi tu t'élèves pour dire « Maintenant j'ai assez mangé, maintenant j'ai assez, alors je travaille ». Je suis toujours étonné de voir combien les chrétiens qui devaient être les plus grands dans ce monde sont les plus misérables. La bénédiction que nous avons, je vous le répète, elle vient d'Abraham. Dites Amen. Dans Galates 3, au verset 14, il dit que Christ a été maudit, à partir du verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Chrétiens, nous héritons, non pas des versets bibliques et des chants, mais nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham.
Christ est mort, il a payé le prix. Et le but principal de ce que Christ a donné, son sang, c'est pour que nous soyons rachetés de la malédiction, pour que nous entrions dans la bénédiction d'Abraham. Dites la bénédiction d'Abraham. Et dans la bénédiction d'Abraham, il est dit, Dieu dit à Moïse, dis-le, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras le premier et jamais le dernier. Alléluia. Amen. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Et le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. Mais qu'est-ce que nous trouvons les chrétiens? Ils n'ont pas cette bénédiction. Le problème, ce n'est pas que Dieu se trompe. Dieu ne s'est pas trompé. C'est nous qui sommes restés des bébés. La bénédiction est là, elle est à notre portée, mais aussi longtemps que notre mentalité ne change pas, eh bien, nous sommes sous la malédiction. Alléluia. Je vais vous donner un exemple que je viens de vivre. Je m'excuse de donner cela pour les frères et sœurs qui viennent de Bruxelles. Quelqu'un aujourd'hui vient me dire, « Ouais !» En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Le vendredi, j'ai demandé à l'église de donner ceux qui voulaient un peu d'argent pour que nous puissions louer les bus pour les gens qui vont venir. Alors, il y avait deux possibilités. Bien, jeudi, chaque personne qui vient à Lille paye 300 francs, belges, ou 200 francs, peu importe. Ou alors de dire, venez gratuitement, mais je demande que l'église, ceux qui veulent aider ceux qui partent, ou ceux qui partent qui veulent contribuer, contribuent. C'est anonyme. On a prélevé l'offrande, on a payé les deux bus. Et alors, aujourd'hui, quelqu'un me dit, mais est-ce qu'on ne cotise pas trop d'argent? Je lui ai dit, je ne comprends pas, réfléchis. Si je dis, chaque personne qui veut aller à Lille paye 200 francs belges ou 300 francs belges pour venir, vous dites, ouais, maintenant l'évangile, il faut payer. Maintenant, je dis, ceux qui veulent venir, vous venez. Mais dans l'église, tout le monde n'est pas sous le plancher. Il y a des gens qui ont un peu de moyens. Qu'est-ce que c'est que les vertus chrétiennes? Sinon, de nous soutenir les uns des autres. Moi, je ne voyage pas, mais j'ai 200 francs, je contribue. Alors, je pose la question, mais où, toi et tous les détracteurs de cette critique, vous trouvez la raison? Non, non, on ne comprend pas les choses comme ça. Je dis, mais alors, là, vous êtes des bébés. Je suis désolé. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que dans l'Église, les gens sont tellement enfantins que même les païens, que nous disons païens, ils sont plus intelligents que nous. Et c'est pour cette raison, beaucoup restent à la traîne. Nous continuons. Un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout. Tu es le maître de tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu ne jouis pas de cela à cause de ton état d'enfance. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. C'est triste que ce qui est à toi est géré par quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. Suivez-moi bien. Tu es malade. Mais Christ a déjà payé le prix pour ta guérison. Qui gère ta santé? Ah, il y en a qui disent, oui, moi, vraiment, les sorciers sont venus la nuit, m'ont tordu le cou, et c'est pourquoi je ne sais pas tourner mon cou. Vraiment, ta santé doit être gérée par un sorcier? Ah, vous savez, cette tante-là a tellement parlé mal que tout ce que j'essaie d'entreprendre ne réussit pas. La réussite dans ta vie doit dépendre de cette tante-là, ou cet oncle-là, dites-moi, tu es quel chrétien? Vous savez, j'ai donné mon dossier, mais on ne le traite pas. Est-ce que Dieu
ne peut pas donner des instructions précises à cette personne qui gère ton dossier pour le libérer au nom de Jésus? N'est-il pas plus puissant, lui qui entre dans les palais royaux sans demander audience? Mais lorsque nous sommes des enfants, notre héritage est géré par d'autres personnes à part nous. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens prient et ils ne reçoivent pas. Tu vas prier, tu prieras. Maintenant, il y a la mode des gens qui disent, on va jeûner 40 jours. Tu vas jeûner 40 jours, ça ne fera rien. Est-ce que vous me suivez? Pour entrer dans l'héritage, qui a dit qu'il faut jeûner? Dites-moi, écoutez-moi, ce que je vous dis, c'est des choses d'adultes. Dieu a fait partir Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre de promesse. Israël devait passer 40 jours de jeûne pour entrer dans la terre de promesse? Oui ou non? Non! Qu'est-ce qu'Israël devait faire? 1. Comprendre le but de l'appel. 2. Se lever, se mettre sur des pieds. 3. S'habiller pour marcher. 4. Être derrière Moïse. C'est tout. Moïse dit, arrêtons-nous, il s'arrête. Et jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans le pays. Mais Moïse, lui, qui devait recevoir la loi, il est monté 40 jours. Quel jour les disciples du Seigneur Jésus ont jeûné pendant 40 jours? Vous pouvez me dire un verset de la Bible? Vous savez, on est en train de nous tourner en bourrique, je m'excuse du terme, parce que beaucoup de gens sont des enfants et des bébés. Jésus, qui avait une mission spécifique, lui, il a jeûné 40 jours. Les apôtres devaient être derrière le Seigneur Jésus. Comprendre qu'est-ce que Jésus a fait. Et quand ils ont compris, ils sont entrés dans l'héritage. Dites amen. Le problème de ton héritage n'est pas un problème de prière. C'est un problème que tu saches qu'il y a un âge spirituel que tu atteins où tu commences à prendre la responsabilité de la vie spirituelle, de ta vie spirituelle et puis de la vie spirituelle des autres. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, personne ne gérera ma vie spirituelle. Au verset 5, Jésus a racheté ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption. Il nous a adoptés pour que nous soyons des enfants. Et parce que nous sommes fils, l'Esprit du Seigneur parle et dit que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas vraiment très facile à gober, mais vous allez comprendre. Nous sommes rachetés, nous sommes fils. Si nous arrivons à maturité, nous héritons ce qui est de fils. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15 et les suivants, Paul dit ceci: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin qu'il soit glorifié. Écoutez-moi bien. Et après cela, je vais m'arrêter. Quel est cet élément qui va marquer notre croissance et qui va marquer, si vous voulez, notre maturité? Eh bien, c'est ça, un des buts de la présence du Saint-Esprit. Tout le monde dit le Saint-Esprit. Les pentecôtistes ont
amoindrit l'œuvre que le Saint-Esprit peut faire. Tout ce qu'ils nous ont enseigné, c'est que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous parlez en langue. Et vous avez des gens, des parleurs en langue inutile. Mais oui, parce que si tu parles en langue, et si l'Esprit n'a pas accompli cette œuvre de l'adoption, où tu réalises que tu es un enfant de Dieu, que tu appelles Dieu ton Père, alors ta langue sert à quoi? Un des buts du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de comprendre, dites comprendre, que maintenant je suis né dans la famille de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. J'appelle Dieu papa. Et Paul dit, puisque Dieu c'est ton papa, il t'a donné ton héritage. C'est-à-dire qu'il y a des droits que tu as, le fait que Dieu c'est ton père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça, c'est lourd. Hériter Dieu. Co-héritiers avec Christ. C'est comme si nous allons chez le notaire pour le partage des biens de Dieu. Jésus dit, moi, mes biens, c'est ça, ça, ça. Toi aussi, tu te lèves, tu dis, mes biens, c'est ça, ça, ça. Yes. Et le notaire regarde, il réalise que tu as raison. Et Jésus se tourne vers toi et dit, mon frère, ma soeur, tu as raison. Alléluia. Amen. Non seulement il est héritier, nous sommes héritiers avec lui. Nous héritons les choses de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps de vous expliquer ces choses, mais je veux que vous compreniez le principe général. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va nous conduire maintenant dans les étapes de cet héritage. Si vous êtes malade dans votre corps, l'héritage que vous recevez en premier, c'est la santé. Si vous êtes au chômage et vous n'avez pas de travail, le monde est au Seigneur, les entreprises appartiennent à Dieu. Il n'y a aucun PDG, qu'il soit du cuivre ou du pétrole, qui a déjà mis dans le sous-sol un seul grain de ces éléments. Alléluia. C'est ces déclarations qui m'avaient conduit après mes études, quand j'ai compris, d'entrer dans la compagnie que moi, je voulais. Ah oui, parce que j'ai dit, je ne connais pas un seul PDG qui a déjà mis un grain de diamant dans le sous-sol de mon pays, ni un grain de cuivre. Qu'est-ce qu'ils font? On les nomme, on les révoque. Mais celui qui a mis ces choses, c'est Dieu. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre des Mines, ce n'est pas le commissaire général à je ne sais quoi, ce n'est pas un président américain, ni français, ni un roi de l'Europe, c'est mon Dieu. Alors, j'ai le droit d'entrer dans ce qui est meilleur. C'est ça mon héritage. Alléluia. Amen. J'hérite ce que Dieu me donne. Qu'est-ce que Dieu va me donner? Mais ce qu'il a mis dans le sous-sol. C'est pour ça que quand je suis dans mon pays, je dis aux chrétiens, il n'est pas normal que vous, chrétiens de ce pays, vous soyez les plus pauvres alors que ce sol, ce sous-sol regorge de diamants. Et alors, qui fait cela? Alors, les Libanais arrivent, ils prennent tous les diamants et ils vendent et vous commencez à les jalouser. Ne les jalousez pas. Proclamez votre héritage, élevez-vous. Ne laissez pas ça seulement aux polygames. Si vous avez besoin de construire votre vie, Dieu va le faire. Si vous voulez vous lancer en affaires, Dieu vous donnera votre héritage. Et il y a ainsi toute une série d'héritages. Et plus tard, vous aurez la vie éternelle. Ça fait partie de l'héritage. Quand Jésus viendra, il va vous enlever. Vous irez avec lui. Ainsi, cet héritage,
c'est le transfert que Dieu fait dans notre compte. Je voudrais terminer avec ce texte de Galates que nous avons lu. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière est tout simplement une réclamation de notre héritage. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, ce n'est pas des cris que nous poussons dans l'air, nous réclamons notre héritage. Parfois, nous devons crier pour chasser Satan qui veut nous chasser de notre héritage. Parfois, nous devons bousculer Satan parce qu'il veut se placer sur la route de notre héritage. Parfois, nous devons le lier, le paralyser parce qu'il veut nous distraire quand nous avons besoin d'entrer dans notre héritage. Mais quant à notre adresse à Dieu, ce sont des paroles de confirmation et de confiance que nous lui adressons pour dire « Merci Seigneur, tu as dit cela, je le crois et je vais le voir, je vais le voir venir. » La foi, c'est cela. Il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je ne les vois pas, mais puisque c'est écrit, je les proclame et j'attends que cela se réalise. Je suis un enfant de Dieu, je me comporte comme un enfant de Dieu, je ne suis pas le dernier de cette société, je suis le premier, même si apparemment on ne le voit pas, mais un jour viendra qu'on va le voir. Alléluia. Si je décide de vivre mon héritage, ce soir nous allons demander que le Seigneur effectue ce transfert. La première chose que Dieu va faire, c'est de changer notre mentalité. Paul dit aux Romains au chapitre 12, au verset 2, à partir du verset 1er, il dit « Par la grâce de Dieu, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Beaucoup d'entre nous, quand j'étais un jeune chrétien grandissant, quand je lisais ce texte, je pensais que la volonté de Dieu, c'est seulement pour que je sache si Dieu veut que j'entre dans ce ministère ou non. Non, non. La volonté de Dieu, c'est ce que français courant traduit, ce que Dieu veut. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Je veux discerner ce que Dieu veut de moi. Dieu veut que je sois la tête et jamais la queue. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je prospère à tous égards. Dieu veut que je réussisse dans ce que j'entreprends. N'a-t-il pas dit à Josué que ce livre de la loi, au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et David n'a-t-il pas dit au psaume chapitre 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » La dernière ligne au verset 3, « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Alors Paul dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Dites intelligence. Touchez votre tête, dites intelligence. Afin que vous discerniez ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il veut ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Dieu veut que tu sois quelqu'un dans ce monde. Dieu, ton Dieu, ton Père.
il veut que tu sois un homme dans cette ville. Que tu sois un homme dans cette ville. Comment, je ne sais pas. Mais il va le faire. Et je le crois fermement. Il va le faire. Oh, je me rappelle toujours des années où j'étais malheureux, misérable. Je n'avais pas à manger. Et j'ai commencé à proclamer ces choses. J'étais au Congo dans la ville de Lubumbashi. Un jour, j'ai dit à ma femme, vous savez, Dieu va me faire grand dans cette ville. Elle se tourne vers moi et dit, eh bien, tu rêves. Hein? Nous n'avons même pas du pain et il va faire de toi grand dans cette ville. Je lui ai dit, oui. J'étais en train de marcher. Je me suis vu en train de passer dans une belle voiture dans cette ville. Tu vas voir. Et le Seigneur m'a envoyé dans une place. Il y avait des beaux bâtiments et des immeubles. Et le Saint-Esprit m'a dit, pose, qui est celui qui a construit cela? Tu en feras aussi. C'est possible. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu veut faire de toi un grand. Un grand dans ta famille. Vous savez, nous, moi je suis le dernier de ma famille. Le dernier. Tout le monde t'a tapé. Tout le monde t'a envoyé. Oh, c'est pas bien d'être le dernier. Oui, quelques-uns sont gentils avec toi, sympathiques. Mais le chef de famille, c'est le premier. N'est-ce pas? Non. Si tu es dans le Seigneur, tu seras la tête et jamais la corde. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Alors que Dieu nous donne ce transfert aujourd'hui dans notre vie. Et au nom de Jésus, nous allons maintenant prier. Inclinez-vous tous dans la prière. Fais le bilan de ton compte devant le Seigneur et vois ce qui manque encore et dis au Seigneur, voici ce qui manque, ajoute à mon compte ce qui manque à ma vie. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et invoquer le nom du Seigneur? Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Tu veux donner à ton peuple un héritage. À ton peuple la grâce de cet héritage. Merci, Seigneur, de transférer la santé à ceux qui en ont besoin. Merci, Seigneur, de transférer la richesse matérielle, oui, pourquoi pas, aux uns et aux autres. L'héritage, ô Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Seigneur. Hallelujah. Rababai de Shak. Marabada Shondabai Kai. Hallelujah. Je voudrais prier maintenant particulièrement pour ceux dont la situation est bloquée. Si vous êtes dans ce cas-là, vous vous avancez rapidement ici. Je voudrais prier pour vous, pour que vous viviez un miracle. La situation est complètement bloquée. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alléluia, par le nom de Dieu, par le nom de Dieu, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alléluia, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus,
Dieu donne la vie. Quand Satan, nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce nom, ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alléluia, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Oh, je suis fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. De Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sang. Je suis fort, et plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, et plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous vous êtes avancé, c'est pour recevoir un miracle dans votre situation. Je voudrais vous demander de mettre votre foi en œuvre pour recevoir votre miracle. Un homme ne peut pas résoudre cela, mais Dieu va le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Dans votre situation de blocage, ce soir, attends-toi à un miracle. Levons tous nos mains et nous allons ensemble invoquer le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, j'invoque ton nom sur ton peuple qui s'est avancé ce soir. Seigneur, donne un miracle ce soir. Accomplis un miracle ce soir. Accomplis un miracle dans la situation ce soir. Accomplis un miracle dans la situation ce soir. Accomplis un miracle dans la situation ce soir. Accomplis un miracle. Oh! Alléluia. Je voudrais que tous ceux qui se sont avancés ici devant vous répétiez ces paroles après moi. Dites, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis, je suis co-héritier avec Christ. Je décide de quitter l'enfance. Je veux être mature. Et je saisis mon héritage. Au nom de Jésus, je vous interdis vos dominations et autorités diaboliques de gérer mon héritage. Je refuse cela. Au nom de Jésus, je tends mes mains de la foi. Je saisis mon héritage. Au nom de Jésus, je gère mon héritage. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je te parle. À toi, situation. Toi qui s'est bloqué. Tu dois libérer. Tu dois libérer.
Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Relâche ma vie. Au nom de Jésus. Relâche ma vie. Hallelujah. Oui, l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Oh, hallelujah. 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 Thank you.
Hallelujah.
Nous avons commencé depuis hier. Non, il marche avec lui. Les enseignements spécifiques. Nous avons intitulé le but de la musique dans l'église. Et cela concerne particulièrement chanteurs, musiciens, mais en même temps toute l'église. Fonctionner. Le seul but de la musique, c'est de louer Dieu. C'est d'élever le nom de notre papa. Azalina bomoi lelo libela. Azalina bomoi lelo libela. Azalina bomoi lelo libela. Azalina bomoi lelo libela. Yemela yopapa. Yemela yemela yopapa. Yemela yemela yopapa. Je suis abonné.
Hey, hallelujah! Hey, hallelujah! Hey.